Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Elle l'a probablement emmené dans la mine. Stop. Ne bouge plus. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Plus vite, plus vite. Allez, allez, on bouge. Cours. Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité. Vous n'écoutez pas et la situation est si... compliquée. Je dois vous quitter maintenant, Josh. Il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grands dangers en dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient et tenaient à vous, étaient prêts à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seul. Et vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Vous ne serez pas seul longtemps. Respirez, Joshua. Respirez. Seule. Mais t'es là maintenant. Avec ta famille. Allez-vous-en ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi ! Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh ? Pourquoi tu voulais qu'on meure ? Je voulais pas que vous mouriez. Je jure. Pourquoi vous faites ça? Laissez-moi tranquille!
Pourquoi votre charge? Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh? Pourquoi tu voulais qu'on meure? Quelqu'un qui capturait les Wendigo, puis les attachait avec des chaînes. J'ai vu des trucs vraiment tordus. Wow. Ils se sont sûrement échappés quand tout a pété. Bien joué. C'est bon, viens. T'es sûr? Je suis encore vivant. Ouais, tes dernières paroles. Oh, putain de merde. Je sens plus mes doigts. Josh? Josh? Mec? Non, je t'obéis plus maintenant! Ok. T'es parti loin, mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique? Ouais. Tiens. Oh, tant mieux. Tu vois ça, là-bas? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. Y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok. Vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Allez, on y va, espèce de malade.
T'es pas obligé de frapper si fort. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. Ah!
Sam. Ah ! Merde, Mike. Oh, putain. T'as une sale gueule. Ce sera bien pire si on traîne dans le coin. Allez. Un nouveau message. Nouveau
message. Bonjour, Madame Washington. C'est le sergent Tate à nouveau. J'ai de mauvaises nouvelles. Nous avons revu le dossier et il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire. Il a été libéré. Nous n'avons aucun recours légal pour limiter ses déplacements. Je sais que vous espériez autre chose, alors appelez-moi si vous souhaitez en savoir plus. Fin des messages. À ton avis, quelles sont nos chances de survivre? J'essaie de pas trop y penser. Vas-y, cours! Cassez-vous, allez! Madame, vous êtes là! Cours!
Je sais pas comment le décrire. Au début, vous pensiez qu'il vous traquait. Quelqu'un d'autre du groupe avait eu cette impression ? Oui. Est-ce qu'il serait possible qu'il l'ait tué ? Quoi ? Non ! Non, vous comprenez pas, vous comprenez pas ! Mais s'il vous a attaqué ? Il m'a sauvé la vie. Et je l'ai vu mourir. J'ai entendu Jessica, je sais pas comment ni pourquoi elle était là, mais je sais que je l'ai entendue. Il l'a braqué sur mon visage, juste là, devant mon nez, et il aurait pu me buter. Il a failli me buter, le connard. Quand on sort avec un type pendant je sais pas combien de temps, on croit le connaître, mais là, lui, il s'est vraiment surpassé. Il pétait complètement les plombs. Il voulait nous faire du mal. Et... J'ai cru que c'était lui qui avait attaqué Jess. Pourquoi avoir frappé Josh ? Il avait perdu les pédales et... Je devais le calmer. Vous avez dit qu'il était ligoté. Oui, mais... D'accord. Ok. Je sais, c'est pas glorieux. Mais vous comprenez pas, il essayait de nous rendre fous. Et Mad, vous l'avez trouvé ? Non, pas encore. Ouais, bah, vous voulez pas. Vous n'avez pas l'air très inquiète. Cet enfoiré m'a laissé crever. Il a dit qu'il était mon petit ami et il m'a assassiné, ni plus ni moins. Vous seriez inquiet, vous ? J'ai pas été assez rapide. Il s'en est fallu d'un cheveu. Si j'avais pu aller... juste un peu plus vite, j'aurais pu la sauver. J'aurais pu l'aider. Donc c'est ma faute. C'est ma faute, Jess est morte. Josh nous a aidés. Et puis... oh putain... Cette chose... Vous voyez, le Wendigo, il est sorti de l'obscurité, et il a... comment dire... Je l'ai entendu hurler, je me suis barré. Ça aurait été stupide qu'on y passe tous les deux.